En ce dimanche 6 novembre 2022, c'est du haut du plateau de Kuckelberg, dans la basilique nationale du Sacré-Cœur, située au nord de Bruxelles, que la section RDPC du Benelux a fêté le 40e anniversaire du renouveau par une messe d'action de grâce à l'honneur du président Paul Biya, président national du Parti des Flammes. Ici présents qui ont perdu un goût de vivre, mais en qui le Seigneur Dans son homélie, le père Marc a béni le Cameroun et son président de la République. Les militants du RDPC, bien que nombreux dans la basilique, n'ont pas tous arboré les attributs de leur parti afin de les distinguer des autres. Couvert par les cantiques de la chorale du jour, les conciliabules entre camarades du parti des Flammes vont bon train dans une aile de la basilique. Andela, président de la section RDPC du Benelux, a été assisté à l'occasion par M. Kenago Tazo Olivier, ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Belgique et représentant de l'ambassadeur. Ça, j'avais compris.